Bonjour. Oui, c'est un jour triste et c'est quelqu'un que je connais de très longue date, à l'époque quand j'étais étudiant en Angleterre. On se rencontrait régulièrement et je viens de dire à la sœur de Dave comment en 1973, Dave et sa sœur et son papa, sa maman étaient venus chez moi quand j'étais encore étudiant. Dave est un bosseur, rude bosseur. Il a contribué beaucoup dans plusieurs secteurs de développement du pays. Et il laisse son empreinte indélébile comme un patriote au pair. Et il a aussi été, on dirait, un trait d'union entre le gouvernement et le secteur privé, tout comme entre le gouvernement, entre le patronat et les syndicats. Tout cela a aidé pour garder une certaine harmonie dans le secteur financier. Et c'est quelqu'un qu'on regrette beaucoup, mais il a fait beaucoup pour le pays. C'est un exemple aux futures générations. Merci. Et premièrement, je suis bien, bien triste. Je gagne sa nouvelle là. Et je joins M. Manraz assez souvent, comme secrétaire financier, dans mon job. Parfois, je discute avec les bon investisseurs qui invitent Maurice. Et pour moi, c'est un civil servant qui nous caractérise, qui est exemplaire. Il y a des gens qui sont bien sérieux dans ce travail, qui font ce travail tout le temps et me connaissent. Bon. Depuis que les temps me connaît comme secrétaire financier, à travers un budget, le travail qu'il y fait, et une position qu'il y prend dans plusieurs banques coopératives. Et c'est un homme, au cas d'exemplaire dans ce travail. Et je pensais que ça inspire beaucoup de jeunes, surtout dans le service civil, là, ce seriousness qu'il y travaille. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas perdu les temps, quand vous en dites, juste, business means business, je fais ce travail bien. Et pour moi, c'est bien, bien triste, bien sacré. Et pour moi, il reste un Djibouni qui inspire beaucoup, beaucoup de Djibouni, y compris moi. Et c'est un Djibouni qui amène une grande contribution, surtout dans ce travail, dans le service civil, et surtout à travers ce bonne contribution pour le budget qu'il a amené dans Maurice, dans le secteur financier. Merci. Ben, aujourd'hui, je pense carrément que je vais me guetter ce monument-là parce que pour moi, Dave Manraz, c'est quand même un monument. Je apprends à travailler parce que depuis que je dirige un HTC, maintenant je me préoccupe de l'implémentation de tout mon budget au ministère des Finances. Moi, on a beaucoup, beaucoup ce savoir-faire, beaucoup ce soutien. C'est une encyclopédie. Pour moi, c'est. Je ne peux pas expliquer ça quand c'est quelque chose que je apprends à Oli. Et je suis bien attristé aujourd'hui qu'il est allé. Et Payne, puis il y a des gens très, 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 très intelligents, sincères, fidèles et qui étaient fidèles à son travail. Ils connaissent ce travail et ils sont tout le temps là d'arrache-pied pour faire le travail morcé, le gouvernement. Merci. Nous, on est bien contents de l'extérieur.